squat. Et on va tout simplement commencer par comment sortir et replacer la barre sur le rack. Première chose, vous allez prendre la prise moyenne sur la barre. Ensuite, vous allez placer la barre sur vos épaules. Notez que Anna a les deux pieds sous la barre pour l'instant. Ensuite, elle va faire un quart de squat pour monter. Elle va prendre un pas en arrière, faire ses back squats. Nice. Et ensuite, elle va avancer pour ranger la barre et descendre avec les deux pieds joints. Cela va éviter tous les mouvements de rotation et de torsion ou de pencher vers l'avant que vous avez quand vous rangez la barre. Tu nous en fais une ou tu sais pas? Non. Là, maintenant, un pied à l'avant. Un pied à l'avant. Non. Un pied à l'avant. Voilà. C'est comme ça que vous allez faire la majorité de vos back squats. C'est fini. Vous ne faites plus ça. OK? Et la même chose quand tu la ranges. Tac, tac. Non. OK? Les pieds joints, quand vous sortez la barre, un pas en arrière, faites le back squat, un pas en avant, les pieds joints quand vous posez la barre. Un autre point important pour le back squat, c'est la largeur de la prise sur la barre et comment cela affecte la musculature et le support de la barre sur votre dos. Donc, on va regarder deux choses, une prise large et une prise correcte et comment ça change. Venez par là. Nick va nous faire la démonstration. Voilà, prise large. Donc, vous voyez comme la musculature est étirée et il n'y a pas beaucoup de support avec la barre et la barre est en contact direct avec ses cervicales. Maintenant, Nick va rapprocher ses mains. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, vous voyez comme la musculature, les trapèzes sont venus, ils se sont rapprochés, elles se sont agrandies, elles se sont montées et maintenant, la barre, elle est bien soutenue par les muscles. Vas-y, de nouveau large, juste pour voir la différence. Voilà, OK. Donc, faites attention, ne prenez pas la barre trop large pendant vos squats. Vous avez besoin que les muscles viennent supporter la barre. La deuxième chose, c'est la hauteur de la barre sur votre dos. Vous avez deux options. La première option, c'est là où Nick il tient la barre maintenant. Ça s'appelle le high bar. Cette version du back squat va privilégier les quadriceps et une posture plus verticale du torse pendant le squat. La deuxième option, c'est ce qu'on appelle le low bar. Voilà, donc elle se trouve là, juste en dessous de l'épine de l'omoplate. Ce sera la position de la barre sur votre dos. Cette position-là, vous allez avoir un torse qui est plus incliné et avec cette version du back squat, vous allez travailler plus la chaîne postérieure.